Lorsqu'on rentre chez Jacques et Colette Ullmann pour la première fois, vous pouvez imaginer l'effet de surprise. Des tableaux, des dessins merveilleux, par centaines. Mis en scène dans un accrochage dense et vertigineux, du sol au plafond dans toutes les pièces. L'art partout. Une collection constituée en cordée pendant 50 ans par ce couple d'esthètes. Transversale. L'histoire de Paris. La guerre et les campagnes militaires. Le paysage italien et l'anecdotique des écoles du Nord. Le portrait sur vélin. L'art sacré et les mythes. La caricature. L'aventure du dessin par les génies du trait du XVIe au XXe siècle réunis dans un écran. Au dessin surréaliste de Victor Hugo, répondent des feuilles d'études maniéristes de l'atelier de Jules Romain. Ici, une vue de Tivoli par François-Marius Granet. Là, une Vierge de Maurice Denis. Les jeudis 10 et vendredi 11 février prochain, à l'hôtel de Rouault, l'étude Baussan-Lefebvre et associés, avec le concours du cabinet de Bézère et de Gérard Roguier, est fier de vous présenter les ventes de la collection Jacques et Colette Ullmann, la collection aux 1000 dessins.